Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un film de vampire. Je connais ce groupe déjà, beaucoup qui vont pas le regarder du coup. Et c'est surtout un film... Oh, combien... C'est pas très grave. Si je ne regarde pas. Non, mais voilà. Hein? Voilà. Pour une fois, non. On va arrêter le suspense. C'est inoubliable. C'est-à-dire, vous regardez la vidéo... Et vous l'oubliez. Direct. Le fils des ténèbres. Pouvez-vous m'inspirer d'avoir un nom typé d'époque comme film. Et une jaquette... Alors, entre ça aurait pu être beau, mais en même temps, il y a un truc qui gâche. C'est-à-dire, dès le départ, c'est un peu raté. Donc, on commence à comprendre que ça ne va pas être terrible. Donc, il date de 1991. Et c'est typé les films début 90 qui voulaient faire des effets visuels dégueulasses. Et pourtant... L'idée de base n'est pas si mauvaise. Ça aurait pu marcher. Bon, notre réalisateur s'appelle David Price. Il n'aura pas l'été de Vincent. Oh, c'est mieux. J'en suis désolé. Et pourtant... Ah oui, c'est vrai. Il a produit quelque chose qui a bien marché. Orange is the New Black. Mais il l'a produit, c'est peut-être ça la différence. Ça, celui qui a fait ça, produit Orange is the New Black. Comment il a pu faire du festival? Et il a réalisé, je crois. Oui. Les démons du maïs 2. Ouais. La suite du classique de Stephen King, qui aura eu des suites. Beaucoup trop de suites. Donc là, c'est la 2, en 98. Qui n'est pas le plus mauvais. Voilà. Et alors, comme le mec, il n'est pas con, il a repris son acteur, enfin son actrice. Rosaline Allen. Voilà. Qui jouait déjà dans les démons du maïs 2. Voilà. Et qui a fait un petit écart sur un malentendu. Dans la comédie. Voilà. Donc, y a-t-il un pic pour sauver Hollywood et Cassidy? Voilà. En 84. Un dérapage peut-être. Un bon dérapage, pour vraiment vous aimer, mais pourquoi pas. Donc, et on a Steve Bond. Non, c'est pas James, Bond. Ouais, mais là c'est Steve Bond. Oui, voilà. Alors, il a joué dans L'Arrangement en 1969. Alors, je ne sais plus. Ça vient de m'échapper. Je crois que c'est connu. Bon, cherchez, vous allez trouver. Et dans Star Trek 2. La Colère de Khan, assez connue, en 82. Donc il aura fait quand même des films plus prestigieux, c'était pas... Moi j'ai pas trop envie de vous dire ça en fait. On va vous dire succinctement que c'est l'histoire entre deux frères. C'est ça. Que l'un d'eux voit... Alors c'est deux vampires, hein. L'un d'eux voudrait survivre avec des vampires, pas vegan, mais presque. Sans tuer, voilà. Donc lui, il est médecin, déjà. Déjà, c'est un peu. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il ne veut pas tuer. Et il nourrit son petit monde avec des poches de sang. C'est ça. Donc, c'est pas quelque chose de viable sur long terme, parce que ça fait un peu de sang et puis ça va se voir, tranquillement. Je sais pas comment il veut vivre son truc, mais bon. Et c'est là que l'histoire aurait pu être bien. Opposer un frère qui est resté des anciennes mœurs de « on tue, on est des animaux, on est prédateurs », c'est kiffant. Oui, qui est très méchant, ouh là là. Mais, ouais, pas crédible, mais c'est kiffant. Lui non plus, il est pas crédible. Et le médecin, qui lui, est plutôt dans... Il faut s'en sortir autrement, il faut s'adapter aux humains, il faut rentrer dans la société. Et au milieu de tout ça, il y a une gonzesse. Parce qu'il en faut une. Là, il nous en faut une parce que justement, elle a un enfant. Mais, et ce qui intéresse tant les deux frères, c'est cet enfant. Parce que qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà. Un progrès pour la science? De quel côté un vampire tueur va-t-on l'emmener? Voilà, on va dire ça. Et bien, on va l'emmener à côté des oubliables. Voilà. Donc, tout simple. Bon, à la base, il y avait un petit quelque chose. Ben, les effets numériques de ça aurait pu ne pas être complètement nul. Et ben, c'est rigolo parce que des fois la fin ça sauve le film, mais donc là ça l'achève. Oui, ça ah oui, tue ah, là. Là c'est... Alors en fait, c'est tout le déroulement du film hein, qui est manière. Bon, alors photographie de merde, ils ont pas une bonne qualité vidéo. Oh là là, de merde, acteur ou pas de merde. Hein. Et doublage, on sait que les doublages ça peut un peu tuer le truc. C'est quand même un des rares films où t'as des acteurs, même des principaux, des fois ils doivent se demander eux-mêmes dans le film, mais
j'ai pas envie. Qu'est-ce que ils ont des moments, ils ont vraiment des moments où même ils ont des moments de battement, genre. Ils ont désespéré eux-mêmes. Là, c'est à moi de parler. Mais j'ai pas envie de dire ce que j'ai à dire. Donc, en fait, bon. Aïe, mon chèque. Donc, je répète, hein, vous regardez la vidéo et. Vous l'oubliez. Voilà. C'est un oubliable pur souche. C'est un oubliable de chez. Un oubliable. Oubliable. Oh. Pas oublié. Oubliable. Oubliable. Il faut l'oublier. Il faut l'oublier. C'est un oubliable. Bon. Allez, tchuss. Crevez tous. Ça va aller.